Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Cousabit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Présentation de décors épisode 4. Donc pour ce nouvel épisode de Présentation de décors, on a choisi de vous présenter des décors miniers qu'on peut retrouver dans Gobelinville ou la Moria, donc décors caverneux, etc. Donc, pour le premier décor, donc là vous avez une vue de perspective, donc on va dézoomer pour vous montrer le premier décor. Donc c'est un arche, donc j'ai réalisé moi tout seul, donc avec une base de bois, où j'ai collé par-dessus du sable qu'on peut trouver par exemple comme à la plage. J'ai utilisé donc du polystyrène extrudé. J'ai collé donc ici, vous voyez en fait ces deux parties, parce que je voulais qu'ils soient plus profonds. Je les ai collées entre elles. Et j'ai donc après fait une sous-couche générale donc de bombes noires. Donc noir mat, ouais, voilà. Qu'on peut trouver donc dans n'importe quel magasin de bricolage. Et j'ai ensuite procédé donc à deux brosses à la sec, donc des peintures que nous avons achetées dans un magasin de bricolage également. Donc un premier brossage à sec en macadam, donc c'est un gris foncé, et un deuxième brossage à sec donc en gris clair. Donc on a oublié de préciser que mon cousin avait mis une stalagmite et une stalactite, ou peut-être est-ce l'inverse, donc, au plafond et par terre. Ensuite, on va passer au deuxième décor. Le décor, c'est une espèce de mine ou un espèce de passage donc, que nous avons réalisé cette fois-ci à deux. Donc, il est assez grand et imposant, c'est notre plus grand décor pour l'instant, avec notre forme. Hein, sur une base de carton, mais du carton assez solide car on n'avait plus de bois. Donc on a collé un gros rocher en polystyrène, donc ça nous a pris pas mal de temps à le tailler parce qu'il est grand. Ensuite on a mis du sable, là où le rocher ne couvrait pas. Voilà, au départ, le rocher était rectangulaire et après, on l'a bien biseauté. On a mis des petits débris de bois. C'est de la cagette, tout simplement. Vous avez deux grands piliers là qui ont été sculptés avec une perceuse avec une mèche fine pour faire la voûte. Ici. Donc les deux piliers, c'est aussi du polystyrène, comme le rocher et la petite stalagmite, ou est-ce l'inverse, voilà. Donc ici, vous avez un passage. C'est deux baguettes en bois, comme vous avez pu voir, on utilise pas mal. Ainsi que des bouts de cagettes, certaines un peu sont en travers, posées les unes sur les autres. Donc pour peindre donc le bois, donc nous avons fait une peinture à plat, donc avec une peinture acrylique, que nous avons achetée dans un magasin donc de décoration et de loisirs. Ça s'appelle Cultura. Donc après, pour la pierre, on a toujours utilisé les deux mêmes peintures, c'est-à-dire macadam et gris clair, après une sous-couche noire. Donc ça c'est pour notre deuxième décor, donc vous voyez qu'il est assez imposant par rapport à une figurine, voilà. Donc ensuite, le dernier décor. Excusez-nous, voilà, c'est assez chaud de filmer. Le dernier décor, c'est mon cousin qui l'a réalisé seul. Cela pourrait plus s'apparenter à une mine que le précédent parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'échafaudages. Donc c'est sur l'inspiration donc, du décor d'Obi Figurine. Donc il a fait un tuto Mine Warmer. Donc on s'en est un peu inspiré sans faire à la lettre ce qu'il avait fait. Donc c'est sur une base de bois toujours, car mon cousin celui-ci l'avait fait seul. Il a fait pareil un rocher, c'est pour nos deux mines on a fait comme ça, mais un rocher un peu plus petit que le précédent. Donc le sable couvre plus le socle que dans la précédente mine, excusez-nous. Donc ensuite vous avez des échelles, de multiples passerelles avec toutes ces échelles, c'est des débris de cagettes collés un peu pas n'importe comment, mais pour donner cette impression, pour faire un peu vite fait quoi, pour faire des échafaudages gobelins. Vous avez deux aisselles ici. Donc par exemple, on utilise ça que nous coupons. Voilà. Donc là, vous avez des débris toujours, des débris de cagettes, sur lesquels des fois on a collé un petit peu de sable. Donc, ainsi que donc toujours le pilier central, qui nous sert à tenir l'ensemble et à faire un aspect un peu plus pierre et un peu plus fini aussi, voilà. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs entrées. Il y a notamment une petite plateforme là, ici. Vous voyez des parties un peu en marron, c'est des fils de fer avec pas en XV88 pour tenir les. Donc ensuite, c'était tout pour ce tuto. Pour la pierre, on a fait encore avec les deux mêmes couleurs, macadam et gris clair. Donc voilà nos trois mines. On va dézoomer pour vous remontrer assez rapidement les trois. Donc à gauche, l'arche. À droite, la mine ou passage avec la passerelle centrale,
et au milieu pardon, et à droite la mine un petit peu plus petite avec du multiple d'échafaudage. Donc voilà, on espère que cette vidéo aura aidé des gens qui ne savent pas comment réaliser leur tuto pour donner de l'inspiration. On espère que vous aurez trouvé nos décors beaux et qu'ils vous auront plu, que la vidéo ne vous aura pas ennuyé. On remercie tous ceux qui nous suivent et tous nos abonnés. Et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.